chaîne, avant de vous parler de mon haul Action, je voulais vous parler d'un produit qui m'a été envoyé par Octoly et vous dire exactement ce que j'en pense et surtout m'expliquer par rapport aussi à la marque qui attend ma vidéo depuis très longtemps. Mais le problème, j'envoie des messages à Octoly. En message sur le Free Store, sur la plateforme, en email, je n'ai aucune réponse. J'ai prévenu de ma situation, que j'étais tombée malade, que j'ai déménagé, que le colis suivi n'avait pas suivi, que j'ai pas eu le produit Roger Cavaillès, donc franchement je m'en excuse, je l'ai eu vraiment très en retard, mais j'ai fait mon rôle, j'ai prévenu. Alors oui, j'ai pas été prévenir la marque, mais j'ai prévenu que je ne l'avais pas, les conditions et pourquoi. Donc voilà, donc je tiens à m'excuser déjà auprès de la marque qui m'ont fait confiance de tester leurs produits. Je l'ai testé, je vais vous en parler et ensuite je parlerai de mon haul. Donc tout d'abord, c'est un gel douche, mais la particularité, c'est une crème de douche. Et Roger Cavaillès, de plus en plus, je trouve qu'ils s'améliorent sur leurs produits. Avant, on avait tendance à dire « Ah, c'est des produits de vieux, un peu comme une autre marque ». Et là, comme Roger Gallet, par exemple, et là, du coup, pas du tout. Là, ils ont sorti une crème de douche au beurre de karité et magnolia, et qui va protéger et nourrir au niveau de notre peau. Déjà, dans un premier temps, donc vous pouvez le voir, je l'ai testé, il est arrivé ici. J'en mets pas beaucoup parce que je l'économise. C'est un produit que j'aime beaucoup. Alors, ils nous disent qu'il est spécialement formulé pour nettoyer les peaux sensibles et sèches. Cette crème de douche enrichie en beurre de karité qui nourrit intensément et aide à protéger votre peau du dessèchement cutané. Son parfum délicat aux extraits naturels de magnolia allié à sa texture crème onctueuse font de votre douche un vrai moment de plaisir, sans savon, sans parabènes et peau allergénique. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc déjà, quand j'ai testé effectivement dans un premier temps cette crème de douche là, donc moi je me lave avec une fleur de douche, donc je fais bien attention parce que c'est vrai que les fleurs de douche, ils ont tendance à amplifier au niveau de la mousse, donc j'ai pas mis beaucoup de produits. Et là j'étais surprise parce que ça fait, je pensais pas que cette crème de douche là ferait autant de mousse, parce que moi j'adore ça. Donc dans un premier temps j'ai eu la mousse. Ensuite, dans un deuxième temps, ce qui m'est venu, c'est l'odeur. J'ai beaucoup aimé l'odeur de ce produit. Et quand après, je me suis appliquée ma fleur de douche, et quand je continue d'ailleurs à l'appliquer ma fleur de douche, j'aime le produit parce qu'il est vraiment doux quand on l'applique. Il est d'une douceur et j'aime beaucoup. J'aime l'odeur, j'aime la texture et j'aime après ce côté où quand je sors de la douche, surtout que là, chez mes parents, c'est une eau calcaire, je n'ai pas du tout la peau qui me démange. Donc pour les peaux sèches, vraiment, c'est un produit que je vous recommande. Et les peaux normales, allez-y, foncez vraiment pour le découvrir. Je vous mets tous les liens en barre d'infos concernant ce produit. En tout cas, moi, c'est un produit que oui, je pourrais racheter vraiment. Voilà, maintenant, on passe tout de suite au haul. Et on se retrouve pour ça. N'importe quoi, un haul Action. Donc, il y a pas mal de choses nouvelles et pas nouvelles. Donc, on va voir ça ensemble. Tout d'abord, j'ai racheté ce produit-là. C'était Mamounette qui l'avait acheté pour elle. C'est en fait des petits bâtonnets en bois à diffuser que vous mettez à l'intérieur. Vu le prix, je vais vous dire ça tout de suite, 1,89€, il sent vraiment très très bon. Je vous le montre de près pour celles qui ont Action, qui veulent aller l'acheter. Du coup, j'en ai pris deux. J'en ai pris un parce que le sien il est fini et vu que là elle est en vacances, ben je vais reparfumer la maison. Et j'en ai pris un autre pour mettre dans ma chambre parce que c'est vrai que ça sent vraiment trop bon. Donc j'en ai pris deux. Voilà, allez-y, foncez, pour 1,89€, faut pas se priver. Donc en fait, on met les bâtonnets de bois, et quand on voit que ça commence à sécher, ce que je fais, c'est que comme les premiers sont imbibés, je retourne et je les remets dedans, et ainsi de suite. Et c'est vraiment top. Vous savez que chez Action, il y a le côté lessive, ménage, enfin tout ça.
Et on retrouve vraiment des produits moins chers. Là, pareil, j'ai pris... ça sent trop bon, ça sent les chiottes. Bref, ça coûte cher en plus ces trucs-là, c'est pas donné. Alors, je suis en train d'essayer de le trouver. De toute façon, je vous remettrai tous les prix en barre d'infos. Là, je sais pas où il est. J'arrive pas à le trouver. Ah, c'est 1,29€. Voilà. Là, souvent, maman, elle prend, elle, le vanish, le gros pot de vanish étache en rose. J'ai vu hier, le gros, il est à 7,10€ à Super U. Et il est pas loin de 5€ à Action. Donc ça vaut vraiment le coup et vous pouvez foncer. D'ailleurs, vous pouvez vous retrouver aussi le canard vissé, le domestos. C'est pas du tout écrit en français, c'est dans une autre langue. Et l'autre fois, je m'en suis pas du tout rendu compte. Et quand j'y suis retournée, je me suis dit, putain, ils font même ça, donc pourquoi pas. Ensuite, je suis allée, vous savez, un petit peu tout mélangé. J'avais vraiment envie de tester ces épices-là. Donc j'en ai pris deux. Le premier... Alors celui-ci, c'est un moulin à piment et ail. Oui, 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 il est très grand. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas encore testé. Mais je me dis que dans les salades, ça peut très bien relever ou sur la viande. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne peux pas lire ce qui est écrit de tout petit. De toute façon, je vous redirai ce que j'en pense. Je vais regarder ça. Alors ça, on peut... Il était à 1,99€. Donc j'en ai pris un autre. Et celui-ci, c'est plus pour les viandes grillées. Bah oui, d'ailleurs. Épices pour rôtisserie, voilà. Et moulin à piment et ail. Là, celui-ci, c'est plus pour les rôtisseries. Donc je voulais faire un rôti. Donc même poulet, enfin tout ça. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc on va tester ça. Et c'est vraiment pas cher. Ensuite, j'ai racheté le sucre de coco. Cette fois, il y en avait. C'est dingue comment ça peut partir. C'est du sucre de coco. C'est vraiment très bon. Ça sucre bien. Et moi, j'aime bien. Maintenant, je m'en sers quand je prends mes yaourts de soja nature. Voilà, vous pouvez vous en servir dans la cuisine. Vous pouvez servir dans... Si vous prenez des smoothies, vous voulez un peu plus sucré, mettre du sucre de coco dans vos gâteaux. Enfin, dans vos préparations, voilà. À savoir que ce produit peut contenir des traces d'arachide et de noix, donc lisez bien pour celles qui font des allergies ou ceux qui font des allergies, même pour vos enfants. En tout cas, ce sucre-là, quand vous le voyez, dévalisez-le parce que ça part très 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 vite. Et il est à sucre de fleur de coco bio, 2,95€. Après, avec Lily, on a vu des gourdes et c'est vrai que c'est bien pratique. Donc c'est des gourdes comme ça, donc vert, et rose, bleu, turquoise comme ça et bleu foncé, il devait y avoir noir aussi. Donc vous pouvez les tenir comme ça, les accrocher là où vous voulez. Donc là, ça s'ouvre et ça se ferme, il faut bien clipser. D'ailleurs celui-ci se ferme mal, lui par contre il se ferme bien. Et lui on ne l'a pas vérifié en caisse hier, et ben, il ne ferme pas et c'est celui-là de Lisa. Ah si, il ferme, c'est moi qui ne sais pas m'en servir. Voilà, donc on peut mettre ce qu'on veut et au frigo et puis la reprendre pour le lendemain, c'est frais. Donc moi j'apprécie bien parce que comme quand je suis du matin, des fois, c'est vrai quand je sors du boulot, je pense pas spécialement à boire et des fois j'ai soif. J'arrive à la maison, je pense pas non plus spécialement à boire, enfin je suis un vrai chameau, quoi. Je ne bois pratiquement pas. Et là je me suis dit pourquoi pas, même si on va en pique-nique ou si on va se promener, si on n'a pas tout le temps des petites bouteilles d'eau, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Alors je les ai pris, ils étaient à... C'est dingue quand il y a un ticket de caisse et puis qu'on... C'est écrit, hein, mais on ne voit pas spécialement. 1,19€. Voilà. Ensuite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je prenne. C'est des boxers pour femmes. Je vous explique. J'ai pris ça
franchement, c'est pas très, comment dire, glamour. C'est surtout quand je suis en chemise de nuit ou en nuisette et que, ben, que je me lève ou le soir après la douche, qu'il y a du monde, ou voilà, il y a mes parents, il y a ma fille, j'avais envie de me mettre un petit shorty comme ça, une expression comme ça, de mettre un petit shorty, de pas avoir le cul à l'air. Donc j'en ai pris deux. Il y a le violet, je vais les défaire parce que je vais les laver. J'adore cette couleur-là aussi. On dirait des trucs de mec, hein, mais non, je vous assure, c'est bien des trucs de femme. Il y a bien écrit « woman ». Voilà. Ensuite, ils étaient à 2,49 €. Ça fera le temps que ça fera, on va essayer, puis ben, on verra bien. Et j'aurai plus le cul à l'air. Ensuite, j'ai racheté, de toute façon, j'en utilise tellement que, enfin, j'utilise que celui-ci, le Dove. Là-bas, on le retrouve, il y a plusieurs sortes de Dove. Il y a aussi des produits douche hein, pour le Dove. Il est à 1,89 €. Donc là, je me dis, hop, on a fait la réserve. Lily, je lui ai repris des petites choses comme ça. Donc en fait, pour celles des fois que j'envoie des colis ou j'envoie des cartes hein, de mes abonnés, je vous colle des petites choses comme ça. Je trouve ça plus sympa, plus original. Donc il y a plusieurs planches, il y en a quatre, voilà. Et c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Ça décore aussi vos enveloppes, donc voilà, lui en ai pris trois. C'est des planches de quatre. Donc elle a ce qu'il faut. Hop. Et là, ils étaient à 75 centimes. Voilà. Ensuite, ça m'a tapé à l'œil. Je l'avais déjà vu la dernière fois et c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est une enceinte pour écouter de la musique, une enceinte aussi où ça fait micro main libre intégrée, donc j'ai vraiment hâte de tester. Donc par rapport à ma tablette, quand j'écoute la musique, ou même essayer sur mon téléphone portable, c'est aussi par Bluetooth, et voir si ça fait micro intégré pour voir par rapport au niveau de mes vidéos. Je ne sais pas du tout si ça pourrait fonctionner, mais je me dis pourquoi pas, donc on va tester, voilà. Donc c'est un haut-parleur, donc ça se présente comme ça, c'est tout petit. Je vous montrerai ça sûrement dans un lundi, viens boire un café avec moi, je vous en reparlerai. Et lui, il était à 10,95 €, voilà. Ensuite j'ai repris, vous savez, ça c'est pour mettre soit des cahiers, soit des feuilles ou autre. Moi c'est surtout pour les papiers, quand j'ai des papiers que je ne veux pas ranger dans ma grosse caisse, que j'ai besoin. Et j'avais rien du tout et je voudrais pas que ça soit le bazar, donc je me suis acheté ce petit truc là. Il était pas cher non plus. Où c'est que j'ai vu? 99 centimes, voilà. Alors ça n'a pas l'air d'être un costaud, hein, donc si vous le faites tomber, à mon avis, ça pète. Hein. Mais bon, je vais avoir de quoi ranger. Ensuite, j'ai trouvé ça trop chou. J'ai mon petit ordinateur et c'est vrai que quand je suis là dans la chambre ou autre. Ma souris des fois ça bug ou autre, donc j'ai pris un tapis, regardez comme il est trop beau, un tapis de sommeil, j'adore, je l'ai trouvé vraiment chouette. Et lui il était à 75 centimes. Et ensuite j'ai pris un petit bloc-notes, voilà, comme ceci. Et ça, je vais le laisser dans la voiture, celui-ci, parce que des fois, c'est vrai que j'ai besoin de noter des choses. Hop, il est plutôt pas mal. Et il peut rentrer aussi dans un sac à main, il est tout petit, il est vraiment trop mimi. Alors lui, je l'ai payé 49 centimes, voilà. Ensuite, j'ai pris des petits sticky notes qu'ils mettent. Voilà, c'est des stickers, en fait... en papier, voilà,
Là, c'est tout petit, là, et vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Alors moi, c'est surtout des fois quand je vais envoyer un colis ou quand vous gagnez un concours ou par exemple, là, les tout petits aussi, si je vais faire un swap. Enfin, ça sert toujours et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça sert toujours d'avoir des petites choses comme ça. Et je pense beaucoup à celles qui travaillent chez elles à domicile ou qui sont comptables ou qui tiennent... Le magasin, leur entreprise avec leur mari. Alors ça, donc le tapis de souris, il est à 75 centimes. Et je me demande si c'était pas 35 que... Ah non, il y en a 3, ça. 35, c'est pas ça. 75 centimes aussi, voilà. Et ensuite, je me suis dit, vu que c'est la rentrée pour tout le monde et qu'on a toutes besoin de petits carnets, de petits chichis, de petits machins comme ça et qu'on aime bien en fait tous ces petits trucs-là, et bien je me suis dit que je vais aussi vous faire profiter de tout ça, de ce que j'aime en fait. Donc ça va être sous forme bien évidemment d'un concours, donc vous allez avoir pour celles qui veulent participer, et c'est le mieux, m'envoyer à mon adresse mail qui est en barre d'infos pour les concours, c'est dineconcours@gmail.com ou .fr, je ne sais plus, c'est en bas. La première chose que j'ai pris, c'est une trousse. Pareil, j'adore Fashion Forever. Donc après, évidemment, ça ne fait pas non plus femme. Hein. Voilà, les choses que j'ai pris, c'est les choses que j'adore moi. C'est pour ça que je laisse libre champ à celles qui veulent participer à ce concours. Mais je me suis dit que c'était plutôt sympa pour commencer la rentrée. Voilà, de commencer avec un petit concours. Alors, la petite trousse, je ne vous donne pas les prix. Hein. Dans cette trousse, les stylos que j'ai déjà achetés, que je valide, que j'ai à mon travail, donc c'est bleu, noir, vert, rouge, ils sont vraiment sympas. Voilà, ils sont délires. Donc, il y en a deux. J'ai trouvé ça délire aussi, des tout petits stabilos avec les smileys dessus. Regardez-moi ça, c'est vraiment trop. Donc à mettre dans la trousse, je les connais, je les valide, je les ai achetés deux fois pour le boulot et ma fille je crois, ouais. Donc c'est ces crayons là qui sont billes et ils sont vraiment top. Voilà. Ensuite je vous ai pris un tout petit calepin comme je vous ai présenté là. Voilà, je vous l'ai pris en double. Je trouve que c'est trop mimi. Je vous ai aussi pris des stickers, donc qui sont comme ça. Voilà. J'ai pris ce cahier-là parce que je trouve que c'est utile. Moi, j'en ai plein. Il se présente comme ça. Donc, vous avez un élastique, la couverture, elle est solide. Alors, le papier, bien évidemment, n'est pas non plus, on le sait, un chez Action de grande qualité. Mais celui-ci, par rapport à d'autres que je peux avoir, il est quand même plus solide. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était des carreaux. J'adore quand c'est des grands carreaux. Et vous avez des intercalaires, voilà. Les intercalaires, vous pouvez les déplacer, les mettre là où vous voulez. Donc, je l'ai trouvé vraiment sympa, ce cahier-là. Et ensuite, pour finir, il me reste deux choses. La première chose, c'est que je ne pouvais pas... pas finir sans vous mettre des gourmandises et une tasse. La vie est belle. Voilà, ce qui me rappelle, viens boire un café avec moi. Et du coup, ces petites gourmandises-là, vous pouvez les prendre avec votre café quand vous serez à votre bureau, à votre travail, à votre pause, je sais pas, là où vous voulez, quoi. Et ben, vous penserez à moi ou pas. Voilà, donc j'adore ces petits chocolats-là de Milka. J'en ai pas racheté, je suis sérieuse, hein. Je les ai testés et je les approuve, donc voilà. Donc, si ça vous intéresse, voilà, pour fêter la rentrée, vous m'envoyez votre mail avec votre adresse, bien évidemment. Et bien sûr, s'il y a des... Là, je l'ouvre à tout le monde parce que même les ados, vous m'envoyez l'autorisation de vos parents. Donc, c'est-à-dire que
je veux que vos parents me mettent, j'autorise ma fille à participer à votre concours. Et moi, je garde le mail comme ça, si un jour il y a un problème, eh ben, je peux ressortir le mail comme quoi les parents m'ont donné leur accord. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à vous faire une lettre, machin et tout, attention, hein, non, non, non. Mais bon, c'est, voilà. Mais bon, là, c'est ouvert à tout le monde et ouvert uniquement au niveau de la France. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je précise, oui, parce que des fois, c'est pas facile. Et puis, en plus, ben, je redis dans la vidéo, je redis en commentaire, mais voilà. Donc, plein de gros bisous. J'espère que ce haul vous a plu. Si vous, vous avez des produits que j'ai déjà, dites-le moi. Sinon, je sais très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de smileys qui vont aller courir à action. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen, bonne rentrée.